Alors dans ce cas... Le cake se porte bien. La flèche dans la main. Merde, pardon. Ouais. Là, j'ai mis un coup dans la caméra. Caméra U. Putain. Faut que je fasse gaffe, hein. Va falloir que je la réajuste. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi je dis pardon en plus? Ça me regarde pas. C'est pas comme si je tapais dans le micro. Ou là, forcément, ça vous met une gêne, mais là, non. Merde. Putain.
La touche gauche qui n'est pas partie, quoi. Ah, je pensais qu'il m'aurait suivi. Parce qu'il m'a bien regardé et tout, mais bon. Thank you.
Salut Erico. Ah, trajet vacances. Écoute. Bah ouais. Bah, ce truc-là, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai du temps libre. J'ai pas d'obligation, donc j'en profite pour me débarrasser une bonne fois pour toutes du speedrun Dark Souls. J'en parlais hier. Dire une fois que j'aurai sub 1h25, j'en aurai fini avec ce jeu. C'est le dernier objectif qui me reste. Ouais, le training d'hier soir ça allait, mais là ce matin j'ai eu deux trails. J'ai eu deux fois la BKH, et deux fois j'ai fait de la merde au début du jeu. Je suis mort à un Orlando face à un démon, et je suis mort face aux gargouilles. Donc, mais ça va le faire, ça va le faire. Parce que là, à chaque fois c'était de ma faute. Oh, bon. Merci pour l'encouragement. Go. Alright. Je crois au moment slip, puis gauche, puis droite. T'as raison. Gauche, puis droite. Salut Killer, comment tu vas? Écoute, ce matin j'avais deux fois la BKH, j'ai fait de la merde. Là j'ai la BKH, on va voir ce que ça donne. J'ai fait 10 essais ce matin, pas concluant. Donc on va voir là. Hein. Ah bah si t'as bien mangé, parfait. C'est bien. Allez, on fait pas le con sur la gargouille. Non! J'avais pas mis à demain.
J'ai pas pris l'arme à deux mains. Merci, Alirico. Et toi, bah bonne route, hein. Allez, c'est pas grave. Ça va, c'est les. Voilà. Bordel de merde. Aïe 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 aïe. Dans les burnes. Voilà. J'ai bien pris le temps là. Du coup, c'est les killer. Est-ce que là le stream au niveau qualité ça va? Est-ce qu'il y a des drops? Est-ce qu'il y a des artefacts? J'essaie d'améliorer la qualité du stream parce que hier c'était pas Jojo. Rien d'anormal? Ok. Salut Joscu, comment tu vas? Les artefacts, ça veut dire quand l'image est un peu pixelisée, qu'il y a des gros carrés, que c'est pas fluide, que c'est pas beau, quoi. Un peu effet vomi, tu vois? L'image est cool, ok. Bon, ça va, écoute. Ce matin, j'ai fait 10 try. Il y en avait deux qui avaient la BKH. J'ai pas transformé l'essai. Là, voilà. Le focus, là. On va essayer de faire attention. On est dans Brighton. Ouais, mais bon, normalement. Enfin, moi, sur ma vidéo, y a pas de vomi, quoi. Blight Town. Ah justement c'est pas Bright. C'est le hameau du crépuscule. La zone de merde dans laquelle je ne retournerai plus jamais. C'est pour ça que avec le passe-partout, tu te fais pas emmerder. Tu descends et t'y es. Si on oui, si tu dois passer as intended, c'est une horreur. Hein. Coincé! Aïe aïe. Faut
trouve une solution. Allez. Voilà, super. Je perds du temps, mais c'est pas grave. Au moins, je suis pas mort. Ma waifu non avouée. Bah, si tu dis que c'est ta waifu non avouée, tu l'as avouée du coup. Moi je pourrais pas, hein. Je sais pas, le côté araignée, je le sens pas trop. Ah, tu l'avoues pas à toi-même? Ah, d'accord. Après, pas de king shaming, hein. Tant que ton kink est dans le respect des uns et des autres, y a pas de problème. Si tu veux, on va dire que ça passe, hein. Voilà. Wow. Mon cœur. J'aurais pu passer, mais je ne veux pas prendre de risques. Bon allez,
fais pas le con. Pas du bon côté, mais c'est pas grave. Oh oui. Oh, montre-moi tout ce que t'as, bébé. C'est l'autre qui arrive là, derrière, pour lui prendre de risques. Voilà. Nickel. Pourtant j'ai fait un petit droit de gauche là, mais bon, il a quand même mis la lance dans le cul. Merci Maxima, ça fait plaisir de savoir que tu aimes Alcaest. Ah, faire plusieurs runs. Ah ouais? Mais c'est un plus si le jeu permet de faire plusieurs runs, parce que pour moi il était assez assez linéaire quoi, il n'y avait pas de raison de faire plusieurs runs. Ah d'accord. Ok. Bon. J'ai failli perdre la run là.
Mais ça va. J'ai les doigts qui glissent un peu. Quand même très facile, ouais. J'ai effectivement pas souvenir d'avoir galéré. Merde, je fais des bêtises là. Oui, les coups chargés, c'est OP, hein. Un coup de basse, tu gardes ta charge? Ah ouais, non, je m'en souviens plus, ça, je t'avoue. J'ai pas assez d'âme. C'est pas grave. Ah, le jeu a été bien réfléchi, oui. Voilà. Parce que il y a un lézard que j'ai pas tué, il me manque 200 âmes. Voilà. Bon après c'est pas grave. C'est pas la différence entre plus 4 et plus 5 n'est pas significative. Je pourrais rattraper en allant à la forge avant de tuer André. Avant de tuer André, j'upgrade la lance et on est bien. Une bonne ouverture. En plus comme ça reset les géants qui vont pas venir me chercher. Voyons voir. À le foutre du cul, hein, toujours. Merde, il y a un coup qui est tombé en sous-marteau. Ouais. Non. C'est bon. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Faut que je m'y remette là. J'ai les mains qui tremblent. Faut que je fasse gaffe. Parce que c'est tombé dans. Le coup est tombé dans son marteau. En fait, il y a un coup qui a cogné son marteau. Si tu cognes son marteau, ben t'es. Voilà.
téléportation. Il faut que j'upgrade la hallebarde avant de tuer André. Donc là, je vais perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, Elrico. Eh ben écoute, installe-toi, mets-toi bien. Reste attentif quand même, parce que madame a besoin d'un copilote. Non. Ok. Du coup, bonjour à madame. Et bon courage pour la route. Oui. Alors, j'ai déjà eu du enchaîné Smoog, il me restait. J'étais à 30-30, tu vois. Mais là oui. Je préfère ne pas l'avoir. Les 45 minutes de gagné sur Bed of Chaos. Bah concrètement, oui, 45 minutes de gagné puisque si je joue bien, ça met 45 minutes pour aller à Bed of Chaos. Non, un peu plus quand même, 50. Ah non, je suis con. Ouais, si. Je préfère sécuriser. Je perds 8 secondes, mais c'est pas grave. Non, Maxima, je préfère même pas lire ton message. Tu vas me jinx, sinon tu vas me jeter une malédiction. Bon dogo. Allez, bonne nuit. La superstition, c'est très métal, exactement. Yo, sorry, fool. Ah, ça c'est plus tard.
Ah non, la superstition, c'est pas très métal. Mais si. Tous les métalleux sont superstitieux. Regarde. Sinon, ils seraient pas autant matérialistes. Argument massue. Massue de métal. Pas que j'oublie déjà de faire gaffe au démon de titanite qui peut attaquer d'un seul coup. Et il faudra pas que j'oublie non plus à droite de bien coller la racine, bien faire attention. Hier je l'ai fait une dizaine de fois, il n'y a eu aucun souci, donc on va rester lucide et on va garder son sang-froid. Et d'ailleurs, quelqu'un demandait par rapport au lore, je crois que c'est Rouginou. En fait, la décharge incessante, c'est un des frères des sorcières du chaos. Et en fait, il a subi une transformation horrible parce que à cause des expériences sur la flamme du chaos, pour remplacer la flamme primordiale. Et en fait, bah, lui c'est un frère, et en fait il surveille les habits de sa sœur, une des sœurs qui est morte. Et donc si tu prends les habits de la sœur qui est morte, il s'énerve. Et il s'énerve tellement qu'il en perd sa lucidité. Donc là, il se réveille, il sort son bras. Faut pas courir parce que sinon, tu prends le jet de lave. Et en fait, là il est pas lucide. Parce que du coup, si tu cours, et tu cours et cours encore, bah lui il va te suivre. Même si ça doit le mener dans un gouffre qui après va le tuer en un coup. Eh ouais, c'est ça le lore.
Comment j'ai ces informations? Alors normalement si tu lis les descriptions d'objets, de vêtements, de tenues et tout ça, tu peux regrouper le lore. Mais ça reste très sibyllin. Après la plupart des théories autour du jeu, je les ai parce que j'ai lu des articles sur internet et j'ai lu aussi le livre Dark Souls par-delà la mort. Ces deux ouvrages essais qui évoquent un petit peu déjà la production des Souls, comment ça s'est créé et compagnie. Mais ça évoque aussi le lore en fait, ça essaie d'aller au fond des choses. Oula, j'ai perdu beaucoup de vie là. Et vraiment, les livres Dark Souls par-delà la mort, ils sont très bien écrits. Vraiment, c'est très stimulant comme lecture. Salut Goody! Comment tu vas? Merci Joscu. Là, je fais gaffe que le verre me fume pas. Pour l'instant, ça va, Goody. Mais j'en dis pas plus. Observe et tu comprendras. Mais je dis rien parce que j'ai pas envie de me jinx. J'ai pas envie de me poser une malédiction. J'essaie de rester calme là. Voilà, il a refait. Merci, Goody. Non, j'ai augmenté la vitalité. Voilà. Prise de décision. Adaptation. En espérant que lui ne va pas me fumax comme hier. Saute. Voilà, exactement comme hier. C'est bon. Va falloir que je réutilise une fiole parce que sinon le démon titanite pourra me tuer. Je l'utilise à la porte. Je me suis mis de l'eau partout. Heureusement, c'est de l'eau et pas du soda. Maintenant, on fait gaffe aux démons. Démon de minuit. Du cespi. Parce que lui, il peut se réveiller et d'un coup te fumax, hein. On va l'observer. Et surtout que là, t'arrives derrière lui. Donc, c'est le pire à esquiver. Allez, gauche puis droite. Je l'ai fait plusieurs fois. Je me suis entraîné, je connais. En plus, ce qui est horrible avec ce boss, c'est que t'as pas le temps, vu que les trous sont tout petits, la death cam est très proche, t'as pas le temps en fait de 7 quits si tu tombes.
Après, j'ai un joker là. Je veux dire, si je meurs, je peux faire encore un essai. Allez. Pas de joker. On fait gaffe. J'ai eu une crise de sueur. D'un coup, j'ai eu un demi-litre qui est parti là. Ouais, mais c'est pas fini. Là, faut que j'analyse, que je reste vigilant. Pas de risque. Pas de risque. Pourquoi je stresse? Mais non! Ah! Putain, j'ai grillé 2 humanités pour rien. C'est pas grave. Ça m'énerve, j'ai grillé 2 unités pour rien, j'y étais, là je vais perdre 5 minutes là. C'est pas grave. Sûr que c'est pas grave, mais c'est énervant. Tout ça parce que le boss a fait, mais encore une fois, n'importe quoi. En fait non, c'est moi aussi. J'aurais dû courir. Quand il commence à faire ses flammes, je dois courir en fait. Je dois pas attendre de voir ce qui se passe. J'y étais quoi, j'ai fait plus dur. En plus ça m'énerve parce que j'ai plus d'humanité. Pour Nito ça va être chiant. Après je peux modifier la route, je peux aller Ouais, pourquoi je fais d'abord un tour? Je peux faire 6 d'abord. Hein. Comme ça, je gagne des humanités. Toujours devant. Hein. Je crois que j'étais à 54. Là, j'en ai pour 1 minute si tout va bien.
Ouais, c'est ça que je voulais. Mais non, mais pourquoi il me touche? Voilà. Là, tu fais ton spam. Voilà. J'allais mourir. Je suis toujours devant. Allez, un Orlando. Ah non, je sais, j'allais. Non, j'ai fait une bêtise. Non, Bed of Gratos, non. J'ai fait une bêtise. Voilà. Pour récupérer. Voilà. Alors, niveau supérieur. Ensuite, téléportation à Orlando. Ouais, ça paye. Je suis toujours une minute devant. Mais j'aurais pu avoir vraiment beaucoup d'avance. Hein. Et là, du coup, les splits ne veulent rien dire. Je change ma route. J'ai pas assez d'humanité. Donc là, je vais d'abord faire Sith pour récupérer de l'humanité, parce que quand tu es en Sith, j'aurai de l'humanité. Et j'en ai besoin pour Nito. Et les 4 rois en dernier, parce que... de toute façon, les 4 rois, il faut que j'ai masse de PV. Après, le dernier split, Gwen, je peux gagner 3 minutes. Donc là, ce que j'ai perdu, je peux le récupérer. Et disons que Gwen, je le maîtrise plus que Bed of Chaos, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Vraiment. Sacré toi. Aussi, une des raisons pourquoi les meilleurs runners gagnent beaucoup de temps, c'est ici ce qu'on appelle le Duke Skip. En fait, avec l'ascenseur, en te débrouillant bien, tu peux tomber sur un des étages que tu vois devant et tu gagnes 3 minutes. Mais je sais pas faire ce skip, il est hyper précis. Parce que là, t'es obligé de mourir. D'ailleurs, faut que je fasse gaffe à pas me faire maudire. Allez, vas-y. Alors, faut pas se faire maudire. Merde. C'est bon. Ouais, le chat, il est beaucoup plus régulier maintenant ce skip, ils ont trouvé une strat avec l'arc. Ouais, mais j'ai pas l'arc. Du coup, voilà. Donc là, les splits ne veulent plus rien dire, là. Hein. Je veux dire, j'ai plus du tout la même route. Je prends pas compte des splits là.
On retombera sur nos pas quand on arrivera au Four Kings. Non. Oui, tu peux faire l'ordre que tu veux, bien sûr. Là, en vrai, là, les splits, c'est indicatif. Je suis pas obligé de les respecter à l'ordre près, hein. Non. Là, c'est chiant parce qu'il y a deux gus qui sont relous. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Putain, mais... Pourquoi? Mais sérieux? Là, si encore j'avais chopé la clé, j'aurais gagné du temps. Du coup, j'aurais eu la clé, j'aurais été mort, je serais revenu au feu et c'est bon. Oui, j'ai beaucoup d'avance, mais je perds pour rien là. C'est relou, c'est relou. En plus, me connaissant, je me dirais, oh là là, je pourrais encore gagner du temps. Oh, je pourrais encore refaire un speedrun. Aïe, 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 aïe. En plus, l'ennemi va être de retour. Là. Voilà, je fais de la merde. Là, je fais de la merde. N'importe quoi. Aïe, aïe.
Ah, je me suis pris une flèche, normal. Ça te donne un air swag. C'est trop fringue. Oui. Tout à fait. De quoi? Oui, non, mais il y a des trucs chelous dans cette zone, à base de trucs invisibles, de passages secrets et tout. Non, là par contre, ce qui s'est passé avec les cristaux et que j'arrivais pas à passer, là par contre, c'est de la merde. Là par contre, tu vois, je suis en train de marcher dans le vide, c'est normal. Ça me fait qu'une humanité en plus, vaincue. Ça fait beaucoup. Comme ça, je peux augmenter ça, je peux augmenter ça. You sorry fool. You sorry fool. You could not be the... You could not be the chosen one.
Vous voyez qu'est-ce qu'il y a, Maxima? Après le... Il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs. Non. Ah oui, le squelette, bien sûr, toujours, hein. Ok. Ah d'accord. Alors normalement ici il y a des sauts assez précis pour arriver au feu que je cherche, mais moi je prends pas de risque. Je maîtrise pas cette zone. Et oui, je commence par Pinwheel. Merci Larico. Voilà, ça c'était couru d'avance. Voilà. Oui. Voilà, c'est là. Ouais, j'ai pris un skip, mais t'es pas sûr de moi. Et merde! Mais non! Ah putain, c'est craignos ça. Ah oui. Je suis en avance. Normalement, j'ai le... Normalement, là, je suis à 1h11.
J'en avance. Mais c'est pas fini. Merci, merci. Mais là, il y a une des pires zones. Les quatre rois. Avec les fantômes. Et compagnie. Peut-être compliqué là. En plus, ouais, j'ai qu'une humanité. Normalement, là, pareil, les gens, ils prennent l'arc, ils visent, et ils envoient des bombes sur le gars qui donne la clé. Technique que je ne sais pas faire. Donc moi, je dois me rendre physiquement pour prendre la clé. Et c'est ultra risqué. Je peux mourir trois fois au moins. On va voir. On va voir ce qui se passe. Ça c'est comme avant les gargouilles. Avant les gargouilles, il faut esquiver les zombies. Et ici, il faut esquiver les fantômes. C'est bien passé. Là. Je réinitialise. Je vais m'équiper pour pouvoir être solide face aux attaques, aux assauts. Et c'est parti. On en faut prier. Voilà, faut prier. On en faut prier. C'est tout. Très mal. Bordel. Bordel. Merde! Mais qu'est-ce que je fais? Ah oui, là, gros stress. Pareil, je reset parce que sinon il y a tous les fantômes qui vont me suivre.
Let's go. Let's go. Je me retiens de gueuler parce qu'elle est. Elle qui travaille et tout, mais. Ça y est. J'en tremble. 1h28. Ça y est. J'en ai fini. Alors oui, je peux faire. Je peux faire sub 1h20, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je l'ai eu. Je l'ai eu, putain.
tout tomber. Presque 300. Mais tout ce que je disais hier, c'est que c'était mon dernier objectif avec Dark Souls. Pour ça que là, j'ai l'impression qu'il retombe, mais j'ai... Je suis ému aussi, parce que voilà, ça y est. Ça y est, je l'ai fait. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, quoi. Je suis trop content. 1h20, c'est trop... Enfin... Ah, le travail paye, bien sûr, mais... Ce qui est con, c'est que c'est un objectif purement arbitraire. C'est un objectif... personnel, mais... Là, je suis tellement content, parce que 1h20, c'est beau. 1h20, c'est... Tu vois, si j'avais... Finalement... On se rassure comme on peut, mais... Si j'avais eu... 1h17... Je me serais dit... 1h17, ça va pas. 1h20, c'est bien. 1h20, c'est rond, c'est... Un an! Mais même plus que ça! Depuis combien de temps je voulais speedrun ce jeu? Et là... Ça y est!